Le groupe Al Omran est une entreprise publique avec un conseil de surveillance présidé par le chef de gouvernement. Le ministre du secteur assure la fonction de vice-président. Les autres membres sont issus des différents organismes et secteurs ministériels, vu la transversalité de l'action du groupe. Capitalisant sur plus de 40 ans d'expertise, grâce au savoir-faire des ERAT Construction, ANI, SNEC et Atasharok, Al Omran est chargé de l'opérationnalisation des programmes publics destinés à améliorer les conditions de vie des populations, principalement celles issues des couches les plus défavorisées, et travaille pour leur offrir un logement décent en tenant compte de leur budget ainsi qu'un environnement adapté en travaillant avec les collectivités territoriales pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Depuis sa création en tant qu'Al Omran en 2007, ce sont plus de 5 millions d'habitants qui ont désormais un toit. En somme, Al Omran œuvre avec ses partenaires pour proposer de l'habitat social de 140 000 dirhams à 250 000 dirhams et de l'habitat pour les couches moyennes. Proche des citoyens et des acteurs locaux, Al Omran dispose de 71 représentations, dont 56 agences territoriales, afin de mieux répondre aux attentes de ses clients citoyens et de ses clients institutionnels. Al Omran travaille avec ses partenaires pour la résorption de l'habitat insalubre, la restructuration des quartiers sous-équipés, la mise à niveau urbaine et la réhabilitation des médinas. Avec l'implication d'Al Omran et l'injection de plus de 76 milliards de dirhams d'investissement, c'est tout le pays qui se développe à travers ses nouveaux pôles urbains, plus d'une cinquantaine, et ses villes nouvelles, au nombre de 4, et se dirige dans la même direction, celle d'un Maroc meilleur.